Et salut tout le monde et bienvenue sur Final Fantasy Brave Exvius pour des news. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait donc une mise à jour, je me rappelle plus, enfin c'est du 13-10 et donc il fait en avance Halloween, on peut dire. Il n'y a que l'apparence de certains interfaces qu'ils ont changé, mais franchement c'est stylé, j'aime bien. Mais par rapport aux news, il y a masse de trucs à voir. Surtout, déjà, on va commencer par la chambre de l'éveil. Donc, chambre de l'éveil niveau supérieur. Donc, pour tout ce qui est items, ressources, composants, voilà, c'est mieux. Composants pourra augmenter en 6 étoiles les unités. À partir donc de vendredi 14, donc de demain. Il y a aussi de nouveaux unités à éveiller. Donc il y a Cécile en 6 étoiles. Je savais pas que ce serait Cécile après, mais bon, pourquoi pas. Donc très bien, si vous avez Cécile, tant mieux. Moi je l'ai pas, malheureusement. Par contre, j'ai Kane. J'aimerais bien l'évoluer. Je sais pas si on peut l'évoluer à partir de jeudi 13. Je peux, donc on verra bien si on peut. Donc il y a Kane et Rydia. Rydia que j'ai, mais je crois pas que je l'ai augmenté. Faudra voir. On va voir ça juste après. Donc trois unités plutôt à évoluer, dont Cécile. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont Cécile, donc il va revenir au jour, surtout avec la 6e étoile. Un événement qui va se passer, je sais plus quand, bon, un vendredi, donc demain, donc après l'événement qui se déroule en ce moment, mais je crois que c'est le dernier, oui c'est le dernier jour de toute manière. Donc Final Fantasy 14, non. Pourquoi je dis 14? C'est 4. Le géant de Babel. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? De l'exploration, exploration, exploration, exploration supérieure et exploration en expert. Enfin, en ex. Ouais. Vu mes unités, je pense pas que je pourrais faire l'ex. Oh! Par contre, pas mal. Le sceptre, magie 60, permet d'utiliser saignée. Saignée qui est pas mal du tout. Un casque qui augmente l'attaque de 14 et la défense de 20. 14, je crois qu'il y en a un autre qui augmente l'attaque de 14 aussi. Et donc, on pourra essayer d'avoir Rosa, Cécile en chevalier noir et Edge. Ça sera les invocations d'honneur qu'on va faire. Comme vous pouvez le constater, je suis presque à 5000. Donc, ça, c'est cool. Donc j'aurai 10 plus les 10 invocations que j'ai réussi à avoir dans l'event. Ouais, chercher le mot. Et donc l'annonce de Final Fantasy. Donc Edge, Cécile Noire qui est à la 6e étoile aussi, et Rosa. Je les connais pas, j'ai pas fait Final Fantasy 4. Enfin je connais de nom mais j'ai pas fait donc le jeu. Après bon, Cécile, sûr et certain, c'est bien. Je sais pas pourquoi c'est en violet, ça veut dire que c'est leur maximum. Enfin, ou c'est l'une des meilleures. 232 d'attaque. Ah, c'est peut-être l'unité qui a la meilleure attaque, défense, etc. Les caractéristiques indiquées sont celles du niveau maximum. Elles incluent aussi toutes les compétences, etc. Bon, faudra voir. Mais bon, j'aimerais bien avoir le chevalier noir. J'aime bien son style. Cécile aussi, par la même occasion. Mais bon, vu que le chevalier noir c'est 5-6 étoiles, au moins avoir une unité 6 étoiles quoi. Vu que j'ai pas eu Lightning, enfin qui sait, peut-être que je l'aurai. Et Edge, par contre, Edge, je sais pas. C'est un ninja, une sorte de ninja. Ouais, ninja job. Ninja paladin, mage blanc, arc de la déesse. Un très bon arc, ça c'est, je crois que c'est le meilleur, hein, question attaque. Et là, donc, calamité, attaque. 120 dégâts de lumière, dégâts de ténèbres. Et c'est tueur de quoi? Très bonne question. Taux d'apparition. Ajout d'aptitude spécifique à la version internationale. Ça veut dire quoi ça? Bon, de toute manière, je verrai. Donc demain, je vais faire les 20 évolutions. J'aurai assez, de toute manière. Et c'est tout. On a aussi reçu en cadeau pour tout le monde qui joue. C'est le brassard. Ta ta ta. Compensation.
Brassard de bandit. Je m'y attendais pas du tout. Je crois que c'est celui qui augmente le taux de drop, si je dis pas de conneries. On va voir ça tout de suite. Alors, il est où? Brassard de bandit. Qui facilite le vol d'objets, donc qui augmente le taux de drop. Et ce qui est pas mal du tout. Je m'attendais pas à l'avoir. Donc faudra que je teste. J'ai réussi à faire le trial. Je crois que j'ai quand même dû claquer 100 gemmes parce que c'est du n'importe quoi. Donc j'ai. Il est où Artemios? Artemios! Je l'ai dépassé. Hyper. Je l'ai mis sur Artemios. Donc l'arc tueur. Qui augmente donc de 60 l'attaque et qui confère lesquels? Très très équipement. Tue végétaux, tue oiseaux et tue insectes. Les trois. Ce qui est pas mal. Bon, je joue plus Artemios, faudrait que je le rejoue. Pour le moment, j'étais plus concentré à augmenter Shizulu, d'une part. Parce que je veux sa compétence de confiance. Après, faudra voir. Là, vu qu'on pourra augmenter avec l'événement. Enfin, on pourra dropper. Les mogs qui augmentent de 10% la confiance. Je me demande. Enfin, le taux, etc. Enfin, déjà, est-ce que je pourrais le faire? Donc, le géant de Babel. Si, si, ils disent bien. Les mogs de confiance augmentent la confiance d'une unité de 10% lorsqu'ils sont fusionnés. Mais est-ce que. On peut en dropper en exploration? Ou on en gagne un si on fait en une seule fois? Ça, c'est une très bonne question. Qu'il faudra voir. Ne manquez pas, améliorer, oui. Mais c'est tout, faut juste terminer les zones. Donc 200 lapis, l'armée noire, le sceptre et le mog. Donc je pense qu'il n'y en aura qu'un seul. Après, tout dépend qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur de l'exploration. Ça, c'est à voir, il doit avoir des coffres cachés. Donc je vais garder une clé magique au moins pour ça. Et on verra bien. Si, j'ai. Juste pour voir. Ouais, c'est toujours les Final Fantasy Tactics. Ramza qui est quand même pas mal, mais j'avais pas envie de l'avoir donc j'ai économisé. J'espère avoir Cécile, ça on verra bien. Qui sait, si j'ai de la chance, je pourrais avoir Lightning, mais je ne pense pas. On va voir, oui, c'était Kane, éveillé. Parce que Kane 5 étoiles, ça doit être quand même pas mal. Il est où Kane? Ah, Kane. Tant qu'il évolue, des graines de furie. Il m'en faut 5. Ok. C'est pas cool du tout. Graines de furie. On verra bien. Je sais qu'il m'en reste encore un peu. J'ai pas trop fermé l'event. J'ai juste pris les tickets d'invocation. De quoi faire donc le. L'épée. Enfin, le katana de feu. Et le quartz, c'est tout. Après, j'ai pas trop. J'ai pas fait grand chose. Et non, c'est même pas là. Je me demande comment là. Parchemin, muque, gemme, licorne. C'est bizarre. Ah, c'est peut-être vendredi. On va retourner voir. On va retourner voir ce qu'ils ont dit. Peut-être que je l'ai pas vu. Tata. Alors, bon, le seul truc que j'ai pas regardé, c'était la maintenance qui a duré un peu plus longtemps que prévu, je crois. C'est où? C'est où? Chambre de l'éveil niveau sup. Graine de furie. Bon, vous savez quoi? À partir de vendredi, j'allais dire on va le faire. Non, bah, on va le faire demain. Donc demain, sûr et certain, il y aura une vidéo. Au moins pour évoluer Kane. Et on va se terminer sur un petit colisée. Je suis en rond B. B round 5. Contre, donc ce boss qu'on trouve, c'est à la fin de l'île de Globos. Si je dis pas de conneries. C'est le combat numéro 8. Comme on dit. Alors, par rapport aux vidéos précédentes, j'étais obligé de faire quelques réglages.
donc de désactiver les effets de combat vu que je ne peux plus. Ça lag trop, donc j'ai dû désactiver. Ça va juste changer, il n'y a plus les animations. Colonne de feu, je crois qu'on peut le paralyser, donc on va le paralyser. Je me rappelle presque plus. Il y a Shizu où j'ai mis donc la nouvelle arme. Donc le Shiri Raden, qui augmente donc l'attaque de 80 qui est énorme. Mais malheureusement, elle fait des attaques de feu. Donc si il a de la résistance au feu, je suis dans la merde. Et on va faire ça. Donc faiblesse, ok. Faiblesse au feu ou pas? Donc comme vous pouvez entendre, il n'y a plus rien. Plus aucun son. Et les animations ici sont plus. Écrasement. Oui. Non. L'écrasement, c'était pas prévu. Est-ce que je peux le réduire aux sciences? Non plus. Bon, heureusement qu'il y a chez eux qui fait les dégâts, tu te mines par tour 4. 10 000. Oh, le critique en garde, ça c'est cool. Je pense qu'elle va rester en garde. Par contre, Golbez. Tu vas essayer de l'empoisonner. C'est la meilleure chose à faire. Tant qu'il attaque pas à Shizulu, j'ai toujours mes chances. Même si Kefka il s'est fait honteusement tuer. Ok. Ça, il n'y a pas de problème, je peux guérir. Et on répète. Faiblesse. Faiblesse. Ouais, j'ai plus les nains avec son boost d'attaque et de défense. C'est normal. Destruction. Pas cool du tout. Oh. Voilà. J'ai ripé. Je pense que je suis. Non. Et en état de choc, oui, c'est ça. Je peux rien utiliser, mais je suis dans la merde quand même. Je sais pas si je pourrais gagner. Il aime pas le feu, donc autant attaquer avec le feu. Ouais, du mine. Ça va être chaud. Non, je pense que je vais perdre. Attaque normalement. Destruction. Bon, l'avantage c'est qu'il a tué personne. En état de choc, donc je peux le refaire. Charlotte regagne un peu plus de vie. Est-ce que je vais le faire? Oui, c'est pas bien. Je pense qu'il faut 2000. Ouais. Eh ben gagné. De justesse mais gagné. Franchement là. C'est. Ouais, c'est tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon. Tant, 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 tant. Alors, le casque de survivant, qu'est-ce qu'il fait? Ah, on peut pas rester appuyé. Alors, unité. On va le mettre sur Goldbus. Ah oui, il y a le diadème. Bon, ça fait rien. Il est où? Casque de survivant, 30 défense et 10 de psy. Ah, ok, ça c'est bien. 10% de résistance à la glace, à la terre et aux ténèbres. Pas mal du tout. Et donc le masque de tigre qui augmente de 14 les dégâts, mais qui fait que 3 de défense. Donc le masque de Halloween, si on peut dire, il sera mieux. Je crois que c'est tout. Yes. Ah bah oui, vu que ça a réinitialisé. Oh ouais, bah donc c'est bon. C'est bon, demain je ferai les 20 invocations. Ouais, il y aura moins ce truc à faire. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie
de l'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cela vous a aidé. Et n'hésitez pas à liker, commenter. Surtout vous commenter. Si vous voulez savoir des choses. Ouais. Sur ce, allez, je vous dis à demain. Ciao, ciao.